Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lego City Undercovers et donc notre mission qui commence. Il faut qu'on aille se sauver notre cher et tendre à la caisse de Chan. Désolé. Allez, démonte ta voiture, toi. Évidemment, elle avance pas cette caisse. Les yeux sur la route, Chase. Allez, on est arrivé à destination. Mais où sont mes renforts? Oh putain, là, Starsky et Hutch. Salut, Chase. Ok. Stutsky et Clutch à la rescousse. Où se trouve la demoiselle en détresse? Avec quel merdier. Clutch, Stutsky, merci les gars. Natalia est dans la casse de Chan. Le chef a fait arrêter quelques membres de son gang tout à l'heure. Mais il lui reste encore pas mal de gros bras. Vous avez un déguisement pour moi? Tu vas voir ça. C'est parfait, Stutsky. Vous êtes sûr? Ces fringues sont notre pote Huggy. Il a toujours bon tuyau pour se fringuer. Bon, oh, allons Huggy, les bons tuyaux. Oh, oh, dépêche. Très drôle. Va falloir que j'enlève ces trucs. Alors, direction la case, voyons voir ce qui nous attend. Ah, c'est là qu'on devrait normalement avoir le réparateur. Hey, je connais ces types. Ce sont des flics. Toi, va prévenir le boss. Je crois qu'une approche amicale est hors de question. T'es prêt, Stutsky? Hey, je suis né prêt. Pourquoi? Il faut qu'on sorte Natalia d'ici très vite. Chan pourrait lui faire subir n'importe quoi pour lui soutirer des infos. Comme lui donner des glaces? Hein? Il va pas essayer de la soudoyer, Stutsky! Non, mais moi j'attrape de sacrées migraines avec les glaces. Je dirais tout ce que je sais si on me menace avec. En particulier, chocolat menthe. Merde. C'est vrai! Et comme les dames peuvent pas rôder en public, il pourrait aussi lui faire boire des litres de soda pour lui donner des ballonnements. Ma maman le fait tout le temps. Ma mère n'est pas une dame. Ouais. Ah! Je pense à un truc. Il pourrait... D'accord, d'accord, mais tout ça ne nous aide pas. Il faut que j'ouvre ce portail. Alors, faut ouvrir le portail, mais alors attends, avec quoi? Oh,
Mais mettez-y les menottes. Putain, ils sont cons, ça, là. D'accord. C'était pour ça, le jerrycan. Encore quelques bidons d'essence pour mettre ce générateur en marche. Ah, mais poussez où ? S'il faut péter de l'épave, il n'y a pas de problème, hein, faut le dire. Hein. Bon, il doit bien y avoir encore des machins qui traînent. Ok. Comment on monte là-haut ? Que ça va nous mener cette histoire. Allez, on se pousse les deux débiles. Mais quelle idée de mettre un bidon d'essence dans une machine à laver. Pas étonnant qu'elle ait fini à la casse. Et là, du coup, avec le réparateur, on pourra casser les dalles qui sont là, par exemple, avec le marteau piqueur. Voilà, on est full. Oh, une brique. Cool. Et là, le cylindre. Impec. Et on a quand même pas mal de trucs à faire. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Ah, pas le. On peut la prendre. Voilà le véhicule. Voilà, un petit coup de méga construction à faire, c'est cool. Hop là. Tu vois la bagnole là? Allez hop, on va en faire du cube. Oh, ce modèle était une pièce de collection. Y a pas à dire, ça au moins, c'est une voiture très compacte. Ah, mais je peux l'utiliser pour monter sur ce tas de débris. Oui. Pas les 4 là, ça déconne. Alors, du coup, on va aller récupérer ce qui nous manque là-haut. Ok, ça c'est raté. Allez hop, et ici. Vol, petit oiseau. À quoi ça servirait de monter là-dessus? Pas grand-chose en fait.
Wow, c'est pas tombé loin. Faut pas oublier, hein. Les cases sont des endroits dangereux où il ne vaut mieux pas jouer. C'est compris? Attends, est-ce que c'est là qu'on récupère le costume de Mikano? Je suis pas sûr en fait. À vérifier. Alors là. Enfin, faut pas se louper. Hein. Ouais, la preuve, hein, j'ai pas une baleine sur la courge. Alors, ça c'est bon. Voilà, ça le fait. Des petites pièces, il y a un truc à construire. Ça, c'est une flèche discrète. Alors, est-ce que Natalia crame les chatouilles? Quoi? Est-elle chatouilleuse? Une fois, un voyou m'a tellement chatouillé que je lui ai donné le code secret de ma carte de crédit. Tu m'avais dit qu'il t'avait menacé. Ouais mec, de plus de chatouilles. Alors tu crains vraiment les chatouilles? Je pense même pas. Petit hélico. Tu connais déjà mon code, de toute façon. C'est toujours ton anniversaire. Tu l'as pas changé? Bah si. Ça y est, on a 100% pièce. Ah, l'autre panneau, on n'a pas fait à 100%, il manque des trucs. Dommage, j'aurais voulu explorer un peu plus, mais... Ah merde, je suis trompé. Voilà. Ah, viens ici, mon petit. Voilà. Là, il doit y avoir un truc de dynamite à poser. Et si j'utilisais ces voitures comme plateforme? Bien sûr. C'est évident. Pour aller où? Je ne sais pas. Sans doute quelque part où il y a du bonus. Là, il y a une pièce violette. Faut pas la louper. Marque maintenant qu'on a fait le 100% pièce. Ah, il y a un truc là-dessus. Ah, mais les deux rigolos de cirque là qui sont venus, hein, je me demande à quoi ils servent. Pas mal pour quelqu'un qui a la trouille à l'idée de vidanger sa voiture lui-même. À voter. Voyons voir là-bas au fond. Non, il n'y a rien. Et ça, donc, faut pas le péter, hein, parce qu'il me faudrait... Ouais, par contre, l'antenne, elle pète. Ça m'avance à rien, de toute façon. Ouais, il faudrait de la dynamite, mais... J'ai pas de distributeur à dynamite dans le coin. Eh ben voilà, il suffit de demander. Du coup, on y retourne. Ça va péter. Un truc de cosmoton. Si j'en ressors transformé en vilaine mouche, je sens que je vais faire la tête. Oh zut alors. J'ai tombé.
Allez, ça va nous emmener où cette histoire? Ah oui, Karim. Oh non, super. Encore plus de sale type. Mais bon, j'ai l'air d'être en un seul morceau et dans le bon sens. Et voilà le travail. Chase, sors-moi de là. Ok, je vais te descendre. Ah, du coup, je pensais qu'on allait débloquer un costume sur ce panneau-là, sur ce tableau-là, mais j'ai l'impression que finalement, non. Hein. C'est juste... bon. Tant pis. Hein. Natalia, reste bien accroché là-haut, ça passera 5 minutes. Voilà, hein, ça fait deux morceaux d'insigne. Putain, on va peut-être faire un perfect hein, sur ce... Non, non, j'ai pas le temps, tu arrêtes. Maintenant, ça suffit Natalia. Je suis en plein travaux. Après, ça peut pas être 100% puisqu'il manque quand même un des personnages. Pour accéder à toutes les pièces. Là, par exemple, le réparateur, il m'aurait été bien utile pour couper le courant et y passer. Je te fais descendre dans une minute. C'est pas trop tôt. Désolé. Oh, merci, je veux dire. Oh, l'autre est... Faut juste que je trouve le bouton pour te faire descendre doucement. Bon, c'était pas celui-là. Ça va, il l'a lâché sur des matelas. Oh, il m'a fait manger de la glace. Je vous l'avais dit. Hé, hey, Stutsky, éclipsons-nous avant que le chef ne rapplique. Ciao, Chase. Merci, les gars. Oh, les boulets, quoi. Et toi, reste en dehors de tout ça, Natalia. Je retrouverai ton père, je te le promets. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. D'accord. D'accord. Ne t'attire plus d'ennuis. C'est promis. Hey! À partir de maintenant. Oh la blonde. Voilà, on vient de terminer cette mission. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous !